Bon matin, il est 6h45, en fait il est 43, parce qu'il me reste 2 minutes avec moi-même. J'ai trouvé un rough un matin, me levant à 6h20, tu sais, hier soir je comptais dans le lit, j'étais là, je peux-tu à voix haute te dire mon horaire? Puis là j'étais comme, je veux être là-bas à 7h30, donc faut que je parte à l'écart. Donc, non, tu sais, je reculais, puis je me suis rendue jusqu'à 6h20. Et là, est-ce que je me suis maquillée pour aller à la piscine? Oui, mais je suis un adulte. Là, Cléo, elle va pas battre des pieds à m'en arroser la face pendant, t'sais, je pense pas. De toute façon, c'est un contexte où je connais même pas le monde. Je suis stressée d'aller là. Je suis stressée de genre, par quelle porte faut que je rentre. Regarde, tout me stresse, ok? Le vestiaire, je suis stressée, j'ai rêvé à ça cette nuit, que j'avais pas de cadenas. J'en ai toujours pas. Puis je me suis dit, je pense pas me faire voler un cours de piscine, maman-enfant. J'espère pas, en tout cas. Fait que là, regarde. Ça me permet au moins d'avoir une face que j'aime, pas pire. Ça me permet d'être moins stressée, tu sais. D'arriver là-bas, puis de me filer un peu, puis d'avoir confiance. Bon. Fait que là, c'est ça que je disais. Il est 6h45. Je vais aller réveiller Cléo. Je suis peut-être un petit peu tôt, là. Parce que dans le fond, je l'ai réveillée à 6h45. J'ai dit que je vais être là-bas, mais je veux partir à l'école. Fait que ça me laisse une demi-heure. C'était pas tant que ça, dans le fond. Je vais réveiller, changer sa couche, tu sais, la coller un peu. Tantôt, je vais me mettre aussi genre comme du spray net, là, c'est parce que je voulais, puis je vais me brosser les dents, mais je voulais pas vraiment pas la réveiller, tu sais. Fait que c'est ça. Je vais donner un beau biberon, puis je vais la faire manger en revenant. Entre la piscine, puis mon rendez-vous de lunettes, dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que là, elle, je vais déjà lui mettre. Non, c'est vrai. J'ai rêvé à ça, justement. Faut pas que je mette sa couche de piscine avant de partir, parce que ça pisse dans le char. C'est pas étanche. Mais moi, je vais être prête en dessous de mon linge parce que. Là, je sais pas la situation de est-ce que les toilettes sont adaptées pour emmener mon bébé? J'ose croire que oui, mais tu sais, la place, elle a pas été conçue 100% pour ça. C'est pas le centre mère-enfant, tu sais. Fait que moi, je vais être toute prête comme si je m'en allais à la plage quand j'étais un enfant, tu sais, puis tu m'as enlevé ton linge. Mais Cléo, je vais la finir de préparer là-bas. Puis oui, j'y vais vraiment d'avance, mais en même temps, c'est le premier matin du cours. On est plein de parents à payer, j'imagine. C'est parce qu'elle me dit, vous payez sur place avec Interact, nanana. Fait que j'ai pas le goût d'arriver serré, j'ai vraiment pas le goût. Puis là, d'être serré pour aller au vestiaire, vous voyez, ça me stresse vraiment. Là, je le compte à Raph, il était là, moi, je serais stressée aussi. Parce que là, matin, j'y vais tout seul. Mais les trois prochains, Raph va être avec moi, tu sais, mais c'est parce que là, le stress va être passé, tu comprends? Fait que voilà. Là, je savais pas si ça prenait des babouches. Moi, je suis un adulte qu'il faut tout me dire. Genre, j'aime vraiment pas les zones grises de kit de linge. Il aurait fallu que la madame au téléphone, parce qu'elle m'a dit beaucoup de détails déjà, j'ai noté une page complète. Fait que je le sais pas mal par quelle porte rentrer, mais je suis jamais allée, fait que ça me stresse de comprendre c'est quelle porte quand j'arrive devant la porte. Mais c'est ça. Il aurait fallu qu'elle me dise, ça te prend des babouches, mais tu sais, elle a constaté qu'on le sait qu'on va à piscine, moi je vais jamais à piscine plus. En tout cas. Fait que là, j'ai assez parlé, je suis une minute dépassée sur l'horaire. Je m'en vais avec là. Je parlais dans le vide. Je parlais, ça fait une minute. Je pars, il est 7h20. Regarde, je m'étais laissé des buffers partout, j'ai le temps en masse. Je me suis vraiment, vraiment laissé du lousse. Puis je me donne une demi-heure d'avance d'arriver, là. C'est ben trop. Fait que je pars. Je suis arrivée dans le parking, il est 7h29. Là, par contre, faut dire qu'elle m'avait expliqué où aller et il y a une porte, c'est marqué piscine. J'adore. J'adore ça. Ça, c'est le genre de pas de zone grise que j'aime. Là. Moi, je veux savoir ce que je m'en vais. Fait que là, ce que je vais faire, je vais attendre un peu parce que là, je suis quand même 30 minutes d'avance. Moi, je voulais être 30 minutes d'avance pour avoir un petit buffer dans le char, me préparer mentalement. Fait que c'est ça. Donc là, tantôt, je vais rentrer. Et si il pouvait arriver un parent avant moi qui sort avec sa coquille et qui rentre dans la porte piscine, là, ça ferait mon bonheur. Ça ferait vraiment mon bonheur. Tu sais, tu veux pas être le premier quelque part. Tu veux pas être le dernier. Là, il y a quelqu'un avant toi qu'il faut qu'il trouve où aller, c'est parfait. Ouais, mon bébé, t'es qui là? Puis là, je suis arrivée d'avance, mais Cléo est comme boubou un peu. Elle était vraiment de bonne humeur, genre, je suis allée réveiller, puis je la réveille jamais. Normalement, c'est elle qui se réveille avant. Puis là, elle était là. Oh, elle s'est tirée, j'étais comme oh, petite. Là, je vois une fille qui s'occupe de la piscine. Je suis tellement la creep dans mon char, là, j'ai tout le temps la creep de même, mais en même temps, je suis juste la fille vraiment trop anxieuse pour rentrer en premier. Tu vois, là, il y a un char qui arrive. Non, d'après moi, elle va en faire. Fait que c'est ça. Regarde, je reste dans mon char 5 minutes à faire du sel, puis après, s'il y a pas de parent qui est arrivé, ben je vais débarquer. Je vais être le premier parent qui s'en en prend un, puis au pire, ce sera moi. Elle sort des spaghettis pour mettre dans la piscine.
J'espère que je suis pas la seule qui se fixe des objectifs dormir puis vous êtes pas genre voyons mes réveils. Mais là, je pense qu'à 35, je vais sortir du char. Fait que là, ça me laisse une bonne minute pour rentrer. Il va être rendu 36. Sérieusement, là. Tu peux-tu nous revenir, tu sais? Fait que c'est ça. Je suis vraiment angoissée, là. Je suis vraiment à ce prix que ça n'a pas rapport. Pas rapport. OK. Il y a une maman qui rentre. J'ai pas rapport. J'étais là. Oh, elle ferme beaucoup de portes. Après moi, il y a un bébé. Là, je les ai vus passer. Il y a la grand-mère, la mère, puis la coquille. D'accord, fait que nous, on peut y aller. On va être le deuxième parent. J'adore. Il est 9h20. Là, je suis dans l'auto parce que Cléo, elle y a tout pris ce qu'elle avait là, comme jus. Fait que là, elle fait une sieste dans l'auto. C'est pas moi qui va briser une sieste, on le sait. Fait que j'attends dans l'auto. Hey, je pense que j'étais pas prête mentalement à faire de l'aquaforme un matin, moi, là. Tant que je suis pas en forme, c'est gênant. Ben, personne l'a remarqué, tu comprends? Tu remarques juste ta propre performance, mais ma performance était de piètre qualité, là. Et là, là. Hey, comme on va faire des longueurs, je t'admets. Ok, la brasse, là, je te jure, ma brasse, ça avançait pas pendant tout. Je sais pas ce qui se passait, là. Mais c'était vraiment le fun. Cléo, je dirais pas qu'elle a trippé. Je n'irais pas jusqu'à ce mot-là. Je sais même pas si elle a aimé ça, mais elle l'a pas détesté. Tu sais, on n'est pas dans le I love, mais on n'est pas dans le I hate. J'ai le bras bon, je sais plus comment vous tenir. C'est ça. Fait que c'était vraiment le fun, les immersions dans l'eau, sur le dos, sur le ventre, faire des bulles, prendre un petit bouillon. Puis les installations sont vraiment le fun, là. C'est un nouveau complexe, fait que c'est vraiment neuf. Tout est propre, tout est vraiment le fun, puis c'est bien organisé. Puis finalement, on était toutes bien stressées. J'étais contente de voir que j'étais pas seule. Puis là, on se présentait, puis tout. J'ai bien aimé ça. Fait que mardi prochain, par contre, je suis contente. Raph, il vient avec moi pour les 3 prochaines semaines. Puis j'ai dit, man, t'es pas prêt, là. Man, t'es vraiment pas prêt. On est vraiment pas en forme. Moi, le pire, c'est que j'ai de l'air en forme, pas pire. J'ai un bon métabolisme rapide. Fait que j'ai de l'air en forme quand tu me regardes. Mais c'est encore pire quand tu l'es pas, puis t'as de l'air. En tout cas, puis être performant. Il a là. Puis là, en plus, je me dis, je regardais pas les autres, ils trichaient. Mais je trichais pas dans le sens qu'à un moment donné, si je suis plus capable de pédaler, je suis plus capable. Mais tu sais, à un moment donné, il fallait aller sur le dos, là. Hey, sur le dos, j'étais pas très bonne. À un moment donné, je me suis comme remis sur le ventre 2 secondes. Mais j'ai pas remarqué, peut-être que tout le monde l'a fait, mais genre, toi, tu te rends juste compte que toi et tes poches. En tout cas, je pensais pas me faire de la grande psychologie après un cours de piscine un matin, mais c'est ça qui arrive. Fait que là, comme j'ai dit, il est 9h20. Mon rendez-vous de lunettes est à 10h30. Fait que là, j'attends de voir la sieste va comment. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire manger Cléo, si je lui redonne un biberon, puis. J'en ferai manger comme fou en revenant, là, parce que je veux pas la rusher, pis en tout cas. Fait que c'est ça. J'ai hâte d'y aller, j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, genre, mes lunettes, là, je suis plus capable, sont plus molles de molles, fait que là, ça va faire du bien. 9h50, finalement, on a le temps en masse, fait que Cléo, j'ai redégelé de l'omelette. J'ai presque fini, il m'en reste un morceau après. Ici, c'est du poulet, tu sais, que j'ai désossé hier, avec de la poudre d'ail et un petit peu de yogourt grec, et j'ai mis du yogourt à côté. Fait qu'on va manger ça. Moi, je suis en train de me refaire une dose, puis je vais manger un petit yogourt grec aux bananes avant d'y aller. Il est rendu 1h. Là, je suis allée chercher mes lunettes tantôt. J'ai remis mes vieilles pour vous les montrer, pour faire un avant après. Raph est venu dîner. J'ai mangé. Moi, c'est que j'ai mangé des chips et du fromage. Fait j'avais déjeuné tard, là, juste avant mon rendez-vous des lunettes. Dans le fond, vers 10h, j'ai mangé une toast puis un yogourt. J'avais déjà mangé une toast ce matin, fait que j'étais correcte. J'avais pas tant faim. Cléo, elle a trippé sur le poulet avec du yogourt et de la poudre d'ail, sauf que là, elle sent l'ail de la bouche. Ça nous fait bien rire. Elle me respire dans la face et ça pue l'ail. C'est très drôle. Pue l'ail, là. C'est pas tant intense que ça. Voyons, j'ai un poêle dans la face. Fait que là, c'est ça. Je suis allée chercher mes lunettes. Ça n'a pas été long. À mes ajuster. Là, ça, c'est mes vieilles. Okay? Fait que je vous fais avant, après. Je suis tellement contente. Genre, elles sont vraiment plus petites, mais comme j'ai trouvé vraiment belle. Et là, ce que j'aime le plus. Ben, en fait, je les aime vraiment. C'est comme je disais, ils sont en. Il y a comme un peu de tortoise dans le haut ici. Et ils sont en brossé. Tu sais, ils sont pas shiny, ils sont brossés. Je trouve ça beau avec mes yeux plus foncés un peu. Et maintenant, je suis une madame, j'ai des clips. Mais je trouve ça vraiment trippant. Ils sont tellement belles en mode format. En mode lunettes de soleil. Hey, je les aime trop. Fait que je suis vraiment contente. Fait que là, tantôt, je m'en vais en auto avec Cléo. On s'en va chez le chiro. Là, je suis comme une petite 40 minutes lousse. Puis après, on se prépare. Je repars à comme 20 minutes de chez nous. Fait que je vais tester mes clips. Fait que voilà ce qu'on fait après-midi. Puis quand je vais revenir, il va être quasiment rendu 3h. Fait que je vais avoir un petit 2h comme à occuper avec Cléo. Là. Je sais pas ce qu'on va faire encore. J'allais dire peut-être aller marcher. Merde, la piscine, ça m'a tuée.
Genre, la piscine, ça m'a littéralement tuée. On a fait une sieste tantôt. Je suis revenue du rendez-vous des yeux. Puis, de comme 11h moins 10 à 11h25, je me suis battue avec Léo pour qu'elle dorme. Là, biberon, elle s'est tirée, poignée des affaires. J'étais comme, non, tu pognes rien, genre. Puis, elle a dormi. Fait que quand Raph est arrivé à midi, j'étais mêlée, là. Puis, j'aurais dormi encore. Mais ça a fait du bien. Fait que là, je m'amuse un peu avec Léo. Puis, tantôt pas. Rendu 1h40, je pensais que j'allais être d'avance. Là, il neige. What the fuck, il y a des petits grains de neige qui tombent. J'ai rien demandé. Mais en tout cas, j'ai pas été consultée. Je pensais être d'avance plus que ça. Finalement, je suis pas tant d'avance. Mais j'ai le temps en masse là, d'y aller. Là. Je suis une demi-heure. En tout cas, je vais avoir du temps d'avance. Je pensais aller virailler dans les rues parce que là, Cléo, elle s'est réveillée de sa sieste boubou. Quand ça, ça part mal là, quand ça fait ça. Mais finalement, dans sa coquille, tout va bien. Fait que je me suis dit, je vais aller virailler un peu d'avance. Ou finalement, non. Mais je reviens plus tard. 3h05, je n'ai plus aucun jus. Mais là, faut que je m'en trouve. En fait, non, je serais pas obligée de m'en trouver. Là, parce que, tu sais, pour vrai, il n'y a personne qui attend rien de moi. Là. Mais là, je me fais un café parce que sérieux, ça n'a plus de bon sens. Je dormirais de bout. Et là, en faisant un café, je me dis, tant qu'à être, je vais ramasser la cuisine. Genre, c'est pas si pire. Tu sais, des fois, tu te dis, ça me tente pas de le faire, mais si je le fais pas, ça va remplir. Tu sais, fait que là, je me dis. Je vais le faire. Anyway, c'est quoi que j'ai mis à faire? M'asseoir avec Léo puis jouer? Oui, mais elle joue, là. Tu sais, puis que je sois devant elle à 20 minutes, tu sais. Je vais le faire tantôt, là. Fait que ça va être déjà bien assez long. Fait que je vais ramasser ma cuisine, mais c'est moins 12 sur 20. Là. Moins. Bref, vous comprenez? Ça me tente pas. Je sais même plus comment parler tellement ça me tente pas. Mais avec un café, ça va mieux aller. Puis là, mes lunettes. Raph, je les aime vraiment. Okay. Mais là, Raph, il est venu à midi puis il me dit son jaune, puis c'est vrai. Il y a comme un filtre, tu sais, de lumière bleue, puis je pense que c'est pas si pire. En tout cas, mais ils ont un petit filtre jaune, il faut que je m'habitue parce que moi, ça me traumatise, les filtres jaunes, c'est les lunettes. Quand quelqu'un a ça, je vois rien que ça, fait que j'ai l'impression qu'on voit rien que ça dans ma face. Confirmez-moi que non, merci. Si c'est oui, dites-moi le pas parce que je vais pas le dire. Fait que là, je vais ramasser ma cuisine avec l'envie de me boire. C'est vraiment, vraiment pas. Voilà. Mais ça a vraiment fait du bien, le Kiro, c'était pour moi. Là. J'y vais à tous les mois, là, maximum, parce que genre, j'ai vraiment le dos pété. Puis. Pour aucune raison. Là. Faut que je suis faible, je sais pas. On sait pas d'où ça vient. Mais elle me massait, entre autres, la mâchoire, les massateurs, ça a tellement fait du bien. Là, parce que pendant qu'elle me parlait, j'ai barré deux fois. J'étais comme, ouais, peut-être que peut-être je serais dû. Elle m'expliquait comment le masser, dans le fond, c'est pas compliqué. Pèse fort dans le trou, puis ça fait du bien. C'est ça. Puis là, elle me dit, tu dors-tu, la bouche fermée, tu serres-tu les dents? J'étais comme, non, vraiment pas. Je dors vraiment la bouche ouverte. Mais je mange beaucoup de gomme. Fait qu'on vient de trouver le coupable, mais j'aime trop manger de la gomme pour arrêter. Fait que. Là, je vous ai pas tenté sur quelque chose parce que finalement, je vais faire mon café avec vous autres avant le ménage. Sérieusement, le café passe avant tout le reste là, parce que pour elle. Je suis tellement raquée des jambes, c'est gênant d'être en forme de même là, pour un cours de piscine de bébé. Là. En tout cas. Là, j'ai l'impression qu'ils sont mal ajustés parce qu'ils me descendent quand même d'en face. Bref, moi, là, mon café, je l'ai déjà dit dans les TikTok, mais je l'ai dit sur parce que c'est révolutionnaire. Okay? Ça coûte. Ça m'a coûté 25$ chez. IKEA. Puis il y en a au Dollarama même, c'est juste que ça me tentait d'avoir un beau. Il est 14, faut que je check là. Ok, il est 14. Là-dedans, là, quand je suis seule, je me mets 2 cuillères de café. Je mets la moitié du bottom. Cafetière à piston, si vous en voulez une. Il y en a sur Amazon, il y en a partout. Walmart, regarde. Nommez-les le magasin, il y en a, ok? C'est tout que vous voulez en avoir, là, c'est tout que vous avez toutes. Toutes, mais un peu cheap des fois. Bref, c'est pas important, c'est pas là qu'on allait. Là, je mets 2 cuillères de café, de l'eau, 4 minutes, il est parfait. C'est un petit café filtre, mais il est tellement bon. Puis là, je mets des grains du Costco. C'est délicieux. J'ai encore du creamer à l'érable, mais je l'achève tellement je l'aime. Et ma bouilloire, elle vient sur Amazon. C'est comme une copie de Kitchen... Hey, parce que c'est Kitchmix. C'est la même police d'écriture. Je ne mets pas ça, c'est légal, mais elle est très belle. Fait que voilà, je m'en fous. Alors là, c'est assez niaisant. Je me suis mis un podcast de Tout le monde saillit. C'est l'épisode avec Kevin Raphaël. Ça a l'air, il est bien bon. Fait que j'ai mis ça. On part. Le café dans le chaos. C'était la seconde de pain intérieur. C'est terminé. Ok, bye. Rendu 3h45, je veux juste vous dire, il n'y a absolument rien qui s'est ramassé dans la cuisine. Il n'y a rien du tout qui est ramassé. Moi, je suis dans mon lit avec mon café. Cléo est là, elle joue du piano, elle me regarde. Ça ne tentait pas d'être assis à terre. Ça m'a fait réaliser que
quand elle va se déplacer, là, je pourrais vraiment plus rien faire. Genre, quand ton enfant se déplace, t'es constamment à le guetter, dans le fond. Tu vas y prendre une cage. Non, mais c'est fou. Genre, je me rends compte que là, je peux la mettre en terre avec des jouets, tu sais, puis elle s'évade pas, là. Je peux faire ma cuisine, mettons, ou si je peux ramasser quelque chose ou faire une tâche, mais je me rends compte que là, ça va être vraiment compliqué dans pas long. En tout cas, fait que là, je pense que j'étais pas dans un mood de ramasser, mais j'ai le goût que ce soit ramassé. Je suis dans cette impasse-là. Anyway, là, je peux pas. Hein? Je peux pas? Fait que, c'est ça. Je pensais vraiment qu'elle allait faire une sieste. Elle était vraiment chigneuse. Fait que je me suis dit, mais plugger un biberon, on va peut-être dormir un peu. Là, j'en aurais profité pour faire ma cuisine. Mais c'est pas le coup. Fait que, voilà ma journée. Je suis partie marcher. 4h10, presque quart. Je me suis dit, j'ai pas le goût de chercher une activité pendant la dernière heure. Ça, j'ai le goût d'en profiter et d'être de bonne humeur, puis Cléo aussi. Ah non, je suis partie marcher. Genre, je marche là, out of boredom. Je marche parce que je m'emmerde, c'est pas drôle. Je suis comme quand, genre, un enfant s'emmerde, c'est pas ça. On va jouer dehors. Je suis partie jouer dehors. Puis là, je me suis dit, je pourrais aller faire du char avec, mais il faut que je l'attache dans sa coquille. Puis elle a quand même été dedans aujourd'hui, tu sais. Je l'ai comme embarqué, débarqué, j'avais trois places à aller. Ça me tentait pas tant de l'attacher, tu sais, pour petite. Fait que je me suis dit, il y a une marche. Ça me tentait pas tant tout de marcher. Il y a rien qui me tente aujourd'hui, mais va marquer. C'est un sujet récurrent. Fait que je me suis dit, une petite marche. J'ai mal partout, mais regarde. Elle a gazouillé, elle est contente. Fait que voilà. Ils ont rénové le parc de mon quartier, puis je vais pas le montrer trop, mais j'ai tellement hâte d'aller faire de ça avec Léo, là. Je pourrais y aller tout de suite, mais genre, le point, c'est que j'ai pas le goût de l'habiller trop, puis en tout cas. Mais j'ai vraiment hâte d'aller faire la balançoire par enfant. Mais j'avais pas été informée que l'hiver était revenu, sérieusement. Je pensais pas ressortir ma tuque cet hiver, ni ma veste, mais genre là, je limite mettre mes mitaines que j'ai amenées dans la poussette. Sérieux, il fait vraiment frette. Il fait genre 5 degrés, en tout cas. Puis là aussi, je suis dans la pré-nostalgie. Ben, je suis nostalgique, dans le fond, de ce qui s'en vient, parce que dans Cléo, en mai, tu sais, on va la changer de siège d'auto, parce qu'on a déjà reçu son siège de grande fille, mais ça nous donnerait de la changer pendant qu'on pouvait encore mettre un vidange, puis tout. Tu sais, je sauvais de l'habiller pis tout ça. Mais là, on va la changer de siège. Puis ça, c'est bien safe, là. À la limite, la changer de siège, je m'en fous. C'est pas grave. Mais c'est plus le fait que quand on va aller faire de la poussette, maintenant, j'avais... Faut pas trop que je mange, là. Fait que là, quand je vais aller marcher, elle, va être contente. Elle va voir le monde. Puis le monde va la voir. Mais moi, j'avais... C'est triste. C'est vraiment un moment triste. Fait que le jour où on va serrer la coquille, on serre les marches face à face. Je deviens émotive, je suis à mon salle parce que là, faut que je passe. C'est une belle journée. En 5h15, elle a fini de travailler là, dans pas long. Fait qu'il s'en vient. Il va s'en venir. Fait que moi, je suis en train de préparer le repas du soir à Cléo. Fait que j'ai refait du poulet avec du yogourt grec. Là, c'est toujours lui que je prends, le 11% nature. Et là, je veux pas remplir sa vieille haleine d'ail. Fait que je vais mettre ça ici, assaisonnement italien un peu, dedans. Mettons de même. Je vais brasser ça, puis je vais me sortir aussi une purée là, pour finir son repas avec une petite purée à soi. Là, je suis bien. 6h10. Puis là, j'ai guéri ma cuisine quand même pendant que Raph prenait sa douche. Et là, il est revenu en haut, puis il était comme là, vas-y, va te reposer dans la douche. J'étais comme, merci. Puis là, quand je vais revenir en haut, je pense que Cléo va peut-être coucher. Peut-être pas, en fait, mais en tout cas, regarde. C'est comme plus mon tour de guérir, fait que je suis bien. Fait que j'ai parti un petit lavage. Je sais pas si c'est étonnant vu qu'on m'entend, mais bref. J'ai lavé nos maillots, puis tout, pour pas que ça pue, puis c'est bon. Fait que là, je monte des lanières de poulet en haut, puis je vais vous montrer ce qu'on mange pour souper tantôt. Fait que le souper, c'est des filets de poulet comme je vous ai montré, avec du mélange printanier puis la vinaigrette du Costco là, aux oignons. Celle-là ici, Kewpie aux oignons, elle est vraiment bonne. Je voulais me faire une vinaigrette maison, j'ai même pas la force mentale. Fait que là, je descends en bas, manger ça avec Raph. Je descends ma switch, mon sel, mon fil de sel, un de doux parce que je veux même pas remonter. Je sais pas si on va se reparler, mais bref. Sinon, bonne soirée.